Well, I'm glad to have them. I'm glad to have what's called a new collected. It doesn't mean that I'm not going to write more. And I hope that there will be, after I die or before it, there'll be a complete poems. And that will be much bigger. This is quite large, but I hope to do more. As a matter of fact, I wrote two poems in the last 2 months. Il y a plusieurs thèmes. Oui, l'Irlande du Nord, l'Irlande entière, la France, l'amour. Absolument un sujet qui sans fin, l'amour. J'ai une lutte avec Michel, qui est un ami depuis fort longtemps. Il est trop intelligent. Il ne peut pas avoir une idée sans l'examiner encore et de faire une autre idée. Il a souffert quand sa première femme est morte, il a beaucoup souffert, mais il n'a pas écrit en prose, en poésie, il a écrit en prose sur le sujet. C'est un sujet extraordinaire. Et Esteban il a transformé sa tristesse dans la poésie. Mais regarde Victor Hugo, regardez-lui. C'était un homme extraordinaire. Comme Gide a dit, quand on lui demandait qui était le plus grand poète en France, il a dit Victor Hugo, hélas. Hélas, mais ça dépend sur le pays et aussi sur la langue. Il y a des grands poètes comme Pablo Neruda et Octavio Paz en Mexico. Mais en Irlande, oui. Être le grand poète irlandais, c'était Yeats. Baudelaire a dit la France a horreur de la poésie. Mais j'ai l'impression que Karl Baudelaire, qu'il était très drôle, il était toujours en train de dire des choses qui sont un peu difficiles, contrariées.